Hey, 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 cucu mes petits culs, bienvenue pour ce dernier épisode. Oui, ça y est, hein, je pense qu'on y est, il faut se mettre devant le fait accompli. Il me semble que c'est la toute dernière fois que vous voyez cette maison début d'épisode, puisque je pense que la semaine prochaine, ce sera les débuts de la génération senior. Tout est en place, tout est prêt, il suffit juste de faire grandir les derniers enfants, de les marier, et puis de déménager pour Lord Philibert et Lady Isabella, que vous avez choisi en tant qu'héritier. Le premier à se lever, c'est notre petit héritier. Et regardez que Philou est en train de puer et en plus en train de clignoter. Donc c'est son anniversaire avec son frère. Ils vont devenir des jeunes adultes. Et qui dit jeunes adultes dit eh ben, fiançailles, mariage, bébé, tout ça quoi. Un gros programme aujourd'hui, je peux vous le dire. Ça sera un grand jour aussi pour notre Lady Mildred. Parce que oui, elle deviendra quand même une Lady puisque j'ai réussi à choper que des enfants de seigneurs. Mais elle restera ici et puis elle va se marier également aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai entendu dire que c'était l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui. J'ai amené un super cadeau. Bon, Isabella, ma chérie. Vas-y, mon filou, va la voir. Oh, on a encore un caca doré. Mais quel plaisir. On va le donner à Anna parce qu'elle saura peut-être mieux en faire usage que nous. Bon, Isabella, c'est pas du tout une tenue d'hiver pour l'époque. Oh, filou, que tu es beau. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Mais elle est trop mignonne, elle lui offre un truc. Qu'est-ce que tu elle t'offre alors? Un pot? Ouais. Un Terminator! I'll be back. Eh ben, c'est bien l'époque. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que Gauvin passait la nuit ici. Très mignonne ta petite tenue, mon chou. Oh non, tu fais déjà des bêtises, Wilhelm. Je t'ai pas demandé de faire ces toiles dégueulasses, bon sang. Oh... Allez, abandonne-moi cette horreur. Bon, Brandy a pris de l'âge, mais elle fait toujours autant de conneries, hein. Puisqu'elle continue de bouffer dans les ordures. Comment il s'est collé à elle. Voilà, regardez faire du violon. C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Regardez comme ils sont mignons, les deux amoureux, là. Ils sont sages, hein, alors qu'elle est juste ici pour faire crac-crac. Mais pas avant le mariage. Et non. Oh, regardez qui est là. C'est notre Guenièvre. Guenièvre a donc, je pense, accouché de son premier enfant. Oh merde! Elles ont la même robe. Heureusement, pas le même chapeau. Attendez, demandez à toucher le bébé, mais elle est encore enceinte. Ah bah oui. Ah mais... Ou alors, je sais pas. Bon, on va aller voir ça dans l'arbre généalogique. Waouh, c'est trop beau. Puis cette fois-ci, elle joue bien aussi, hein. Bah écoutez, non, elle n'a pas encore accouché, donc c'est un bug du jeu. Bah regardez, maintenant son ventre, elle est revenue. Mais c'est n'importe quoi, hein. T'as vu, Wilhelm, ton premier petit enfant, il attend là-dedans. On sait pas encore ce que c'est comme les Kinder Surprise. Oh la vache! Mais regardez qui c'est! C'est Isobelle! Oh là 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 là! Isobelle, même Isobelle est devenue vieille. Oh, la génération d'Altea commence à péricliter, là. Ça devient vieux et ça devient rabougri. Par contre, j'adore les mêmes tenues que je mets tout le temps, quoi. Il y a des doublettes un peu partout, ici. Ah, génial, les garçons sont rentrés de l'école pour leur dernière journée, parce qu'on va leur faire leur anniversaire. Parce que... Là, maintenant, tout de suite, d'ailleurs, parce que bon. Et puis après, Anna va vous préparer votre gâteau d'anniversaire, et puis ça va être bien. Ah, 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 ah. Elle doit partir à cause d'une urgence personnelle. Je pense que bébé va arriver. Oh non! Le gâteau a déjà... Il y a quelqu'un qui a déjà tapé dedans. Mais quel enfer! Oh, bah, elle va devoir retaper un gâteau. Super! Mais ce violon, hein... C'est, non, c'est Sigismond qui s'y met, quoi. C'est n'importe quoi. N'empêche, il a du public, Sigismond, là. Hein. Il y a absolument tout le monde qui vient le regarder. Ah oui! Oui, oui, le gâteau est prêt. Le gâteau est prêt. Génial! Bon, allez, hop, trêve de galéjade. Tu vas venir ici et tu vas organiser l'anniversaire des garçons. Oh là là, Altea est déjà dans l'ambiance de fête et les invités vont arriver. Oh mon dieu, Gauvin. Cette tenue, les boucles d'oreilles, les deux piercings et tout. Oh, la tenue est magnifique. Regardez comme ils sont beaux, les parents et nos jumeaux. Les héros du jour, on va attendre que Isabella et Lucie arrivent et puis, puis go quoi, hein, l'anniversaire. Hein. On va pas tergiverser. Lucie, la douce de notre Sigismond est arrivée. Génial. Notre ami Mathieu, le mari de Guenièvre, était bien arrivé aussi. Ah, j'ai eu du mal à la voir, mais Isabella est là aussi. Dans une tenue très appropriée, évidemment.
Allez, les amoureuses sont bien ici. Mon petit filou, tu vas dire bonjour à ta dulcinée, bien sûr. Tu vas la remercier d'être là. Et bien sûr, tu vas la bourlinguer, hein. Comme un malpropre. Allez, c'est horrible ce que je dis. Tu vas fêter ton anniversaire, Sigismond, parce que tu es le premier des deux à être né, donc forcément, c'est à toi que revient l'honneur de souffler les bougies. Happy birthday, Sigismond. T'es le premier des deux garçons. Alors, il était sûr de lui et actif, et il sera en dernier. 1, 2 et 3. Matérialiste. Bon, pour un noble, voire seigneur, j'ai envie de dire, c'est bien logique. Eh bien, merci, Sigismus, pour cette petite intermède. Non, Guenièvre est là, mais non, Guenièvre n'a toujours pas accouché. Oh là 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 là, mais ça va pas tarder, à mon avis, hein. T'en profiteras, Anna, pour aller réparer les toilettes parce que là, il y a du monde et qu'il va falloir. Il y a du peuple dans cette baraque, regardez-moi tout ça. Oh là 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 là, on ne sait plus où les foutre. Par contre, Guenièvre va vraiment accoucher et vous savez ce que j'ai vu? Que Althea clignote. Donc, ben, on va la faire... Ah, j'ai oublié de regarder ça. De lui fêter un anniversaire avec tout ce bordel. Je l'ai pas vu qu'il allait vers le gâteau. Althea clignote, donc elle va pouvoir fêter son anniversaire en même temps que ses fils. Triple anniversaire. Regardez. Happy birthday, Filou. Je suis désolée, j'ai loupé ton anniversaire. Alors, il a été à la bibliothèque et amateur d'art et il sera en dernier. 1, 2, 3. Oh non, mais c'est génial. Aime la musique, il aime l'art, il aime la musique, il est cultivé. C'est vraiment un seigneur. C'est-à-dire que c'est tout dans l'intellectuel, rien dans les mains, quoi. On est tellement loin de la génération fermier. Ah, mais ça fait plaisir. Allez, Filou, bravo, bon anniversaire. Ah, oh, ça fait plaisir. Un moment attendu, mais qui fait peur. L'anniversaire d'Althea, oh là là, elle va devenir toute vieille, c'est horrible, je sais pas où elle est. Ah, oh non, Althea chérie, tu vas pouvoir inviter tout le monde à bouffer le gâteau, on a prévu, hein. J'ai prévu des gâteaux. Oh là, ouh là là, bon bah allez Sigismond là, une petite demande en mariage, hein. Et toi aussi, tu vas bourlinguer, mon petit, hein, parce que il faut ce qu'il faut, hein. Sigismond demande notre petite Lucie. Celle que vous lui avez choisie au final. Oh le bordel, j'arrive même pas à voir. Il y a tellement de monde. Et c'est un oui. C'est un oui. Ils sont fiancés. Alors que Guenièvre est toujours en train d'accoucher difficilement. Nous avons gagné la médaille d'or. Et ah, ça y est, c'est pareil, c'est le moment. Mais il y a un bordel, c'est pas possible. J'arrive pas à voir ce qui se passe. Ah, c'est un oui aussi pour Isabella. Oh là là, oh là 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 là. C'est génial. J'aime trop les voir, c'est Sim se marier. Oh la coquine! La coquine, elle a sorti les guis pour faire des bisous. Oh merde, t'as Isobel qui s'est pissée dessus. C'est n'importe quoi, c'est la foire. C'est la foire. Eh bien écoutez, c'est génial. Je pense qu'on va faire beaucoup de mariages demain, donc dans ce même épisode. What? Nous avons un lingot d'or. Ça c'est notre si, votre animal faisait des crottes en or et voici ce qui est sorti de lui, c'est incroyable. Ah bah oui, je... un lingot d'or, je veux bien te croire que c'est incroyable quand même. C'est combien le lingot? 6006. L'argent. Oh putain. Ah, moi je vais vous dire tout de suite, on va prendre un chien, hein. On aurait dû prendre un chien dès le départ. Parce que là, ça rapporte de la thune. Pendant ce temps-là, notre Isobel qui s'est pissée dessus est complètement coincée comme si elle s'était scotchée au sol. La pisse l'avait scotchée. Ah non, c'est bon. Bon, je pense qu'elle va partir. Et le jour commence à se lever, encore une fois, sur cette maison des nobles qui nous aura abrité encore une très très belle génération. Et là, ben, ça va être le mariage. Triple mariage, je pense, parce qu'il y a Mildred, il y a Sigismond et il y a notre Lord Philibert. Triple mariage. Alors là, je sais pas ce que ça va donner. Je pense que je vais péter un câble. Alors, mamie Althea. Mamie Althea, bah, elle tricote. elle fait bien, parce que bon. Un dernier petit déjeuner en compagnie de ses trois derniers enfants. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce que tu veux? Mais discute avec ta femme et tout, là, avec tes enfants. Profites-en. Oh, en plus, tu commences à être vieux, donc dans pas longtemps, tu vas claquer, hein. Oh non, c'est horrible. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas...
Aujourd'hui est une grosse journée, moi je vous le dis. Ah, Guenièvre est là. Normalement, cette fois-ci, elle n'est plus enceinte, hein, vu dans l'état dans lequel elle était la veille. Oui, ça y est, Guenièvre a donné naissance à un petit bébounèche qui est une fille et qui s'appelle Laura. Oh là là, mais Brandy, elle me fout des crottes dorées partout, là. Tu m'étonnes qu'à la fin, elle finit par chier un lingot. Oh l'enfer. Bon, je donne tout à Anna. Comme ça, avec ses doigts de fée, elle nous fera des trucs magiques. Oh là là, il pleut. Pour les mariés, il va pleuvoir aujourd'hui. Bon, eh ben, j'ai déjà envoyé Anna faire à manger, parce que je ne prends plus de traiteurs, vu qu'ils ne savent pas faire à manger correctement. En tout cas, vous allez tous venir ici vous mettre à l'abri en attendant que les invités arrivent, s'ils arrivent, parce que... Lala, on sait tous que c'est n'importe quoi dans les Sims, mes mariages, hein, surtout les miens, parce que il y a certains mariages qui fonctionnent bien, mais alors les miens, c'est une cata à chaque fois. Hein. Qu'est-ce que tu me fais, Althea? J'en ai marre, arrête! Non, mais c'est pas possible. Hein. Catastrophe, hein. Ah, génial, il y a Lucie qui est là. C'est merveilleux, vous savez pourquoi? Parce qu'on va les marier aussi, hein, donc il faut que les sœurs de fiancées arrivent. Oh là là! Oh, quelle belle tenue! Bon, plus ou moins tout le monde est arrivé. Ça va être l'heure de se marier. Voilà, oh là, il y a du monde qui arrive et pas forcément des meilleures humeurs. Alors les enfants, je vous attends, moi je suis prête. Hein. Je suis prête pour le mariage. Ça y est, enfin, c'est l'heure du mariage. Où est ma petite musique? Je ne sais pas. Mais ils se marient, ça y est, ils vont s'unir. Millie et Gauvin. Lady Mildred. Et Gauvin, Lord Gauvin également. Je sais pas pourquoi il n'y a pas la musique, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'ils se marient. Et puis après, on en a encore deux autres à marier derrière. Donc ils ont intérêt à faire vite, hein. Voilà, l'acte d'amour. La bague au doigt. Oui. Oh là là, bravo les mariés. C'est adorable, c'est génial. Bravo à tous. Allez, on n'a pas que ça à faire, maintenant que les mariés sont mariés, on va passer à Sigismond, hein, allez, c'est comme ça. Sigismond et Lucie, c'est à votre tour, go! Oh oui! Mariage numéro 2, les blondinés, Lucie et Sigismond, se disent oui, pour de bon! Et maintenant on a la musique, donc ça c'est positif quand même. Oui! Ils sont mariés aussi! Qu'est-ce que c'est beau, magnifique! C'est incroyable. Ah, bravo. Oh, marié. Gauvin se met à jouer du violon, c'est génial. Oh là, et puis il n'y a plus personne. Hein. Ah ouais, ils sont tous ils ont tous la dalle, ils sont tous partis manger. Mais non, mais reviens dès, c'est pas fini. Maintenant, c'est le mariage de notre héritier. Il n'y a que Anna. Mais Anna, je lui ai jamais demandé de venir là, à cette gourdasse, là. Va faire la cuisine et le ménage ailleurs, si tu veux. Mais... Non, tu vas servir le dîner de la fausse viande et des chips. Allez, vas-y, va faire ton mariage. Mais si, tu vas y aller. Oh là 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 là, mais quel enfer. C'est le bordel, t'en as aucun qui veut s'asseoir, qui veut regarder la cérémonie, c'est n'importe quoi. Tu vas aller au mariage d'ailleurs, voilà, on va faire ça. Je vais cliquer, je vais faire aller au mariage pour tout le monde parce que c'est n'importe quoi. Et je voulais faire une toile de... voilà, pour le souvenir également, pour que notre beau filou ait un beau souvenir de son mariage. Donc, on va y arriver, en espérant que personne se mette devant, hein. On va y arriver, allez. Regardez, ils se donnent la main. Oui, ça passe. Bon, ce sera une grande toile comme ça. C'est assez joli, ça devrait aller. C'est super mignon. Hop, c'est parti. Moi, j'assiste au mariage de mon héritier. Tant pis, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. C'est un mariage, c'est maintenant. Et c'est le début de cette grosse génération, la génération senior, pour ces deux petits loustiques. Beau comme des dieux, jeune comme des pommes vertes. Magnifique. Elle lui dit oui, j'espère, cocotte, parce que ce serait dommage. La bague! This is the one! Regardez, c'est ce regard amoureux. Je pense qu'elle est heureuse d'avoir trouvé son filou. Et filou est fier d'avoir trouvé son Isabella. Oh là là, c'est beau. Regardez-moi ça. Et par cet anneau, je vais te gouverner, je vais te faire des gosses et ça va être tabarnak de beaucoup de choses. Oh là 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 là!
Ah. C'était beau. C'était le mariage. C'était le mariage, le triple mariage de nos enfants. Il faut couper la première tranche, c'est Mildred hein, qui va y arriver parce que c'était elle la première à se marier. Regardez, il y a une contrepartie, c'est une contrefaite. Mais bon, c'est pas grave. Si Gismond et Lucie vont aussi se partir, tout simplement, ils vont partir déménager ce soir, partir dans la maison de Lucie, pourquoi pas. Mildred va rester à domicile et Filou et Isabella, bah eux, partiront de leur côté. Et oui, et une nouvelle génération pourra commencer. En attendant, on attend aussi la fin de la toile de Wilhelm. La pièce montée pour Mildred et Gauvin. Voilà, ça y est, le mariage est consommé. Ou presque. Mais Lucie, elle se lave sous la flotte. Oh la coquine, devant tout le monde et tout, t'as pas peur ma cocotte? C'est pour moustiller Sigismond ça, je le sens. Mais, qu'est-ce qu'il a ce buisson? Oh là là! Finalement, Lucie qui se met toute nue dans le jardin, ça a effectivement donné des envies à notre petit Sigismond. Et ils sont en train de consommer leur bon mariage dans ce buisson. Les coquinous! Eh ben dis donc, ça doit être exceptionnel, hein? Vous cachez pas, on vous a vu les coquins. Petit dîner qui a déjà été englouti, hein. J'avais fait plusieurs plats, tout le monde s'est déjà servi dedans. Mais bon, ça fait plaisir en tout cas. Sigismond, tu vas pouvoir rejoindre ta Lucie d'amour. Tu vas le baiser passionné et prendre une pose sexy, hein, de coquin. Et le mariage est terminé. C'est donc beaucoup de monde qui va partir, nous quitter pour cette soirée. Ah, et la toile est terminée. Bon, malheureusement, hein, c'est toujours un peu catastrophique. Les toiles faites par les Sims, bon, il y a toujours un grain bizarre. Mais ce sera le cadeau pour notre héritier. Je suis dans le gestion des foyers. Nous allons dire au revoir à Sigismond qui rejoint sa nouvelle famille avec Lucie qui est là. Et on lui souhaite une jolie vie. Nous voilà donc rentrés dans notre petite maison et je vais de suite lancer... Oh, il y a encore un lingot d'or là. Alors toi, tu vas nourrir la chienne et tu vas nettoyer un peu la maraque parce que voilà. Notre petite Gauvin et Mildred vont aller consommer également leur mariage pour leur première fois et vont nous faire un petit bébou parce qu'il y a une place de libre. Donc voilà. Wilhelm, il est mort de rire rien qu'à cette idée incroyable. Alors j'ai pas dit toi de faire la vaisselle, Althea, ça suffit maintenant. Ah, je vous jure, elle est intenable, intenable. Et voilà, ils sont en train de consommer tout ça. Un joli petit bébé va bientôt arriver, en tout cas je l'espère. Quant à Wilhelm, il offre le petit tableau qu'il a fait pour le mariage de son fils. Voilà, un beau cadeau. Althea offre à son héritier l'héritage de la lignée des Flaubert. En premier lieu, une petite toile de l'héritage bourgeois hein, que notre Adélie avait créé. Et en deuxième cadeau, la sculpture de dragon de la génération artisan. Malheureusement, le fruit du dragon, qui était l'héritage des Flaubert, de la génération fermier, se perdra à jamais parce qu'il a été utilisé dans les premiers jours hein, pour faire une salade de fruits. Merci le trait de la vie simple. Bonne nouvelle, Mildred est enceinte. Voilà, voilà. Vu que le foyer n'étant pas plein et qu'elle ne peut plus faire de bébé, c'est qu'elle est déjà enceinte. Tandis que ces jeunes mariés coquins consomment encore une fois leur mariage, ils découvrent des choses. Nos vieux vont également consommer leur mariage pour peut-être la dernière fois, en tout cas, la dernière fois que nous on le verra. Puisque c'est fini pour la génération noble et qu'on retrouvera la semaine prochaine la génération seigneur. Je ferai déménager évidemment Philibert et Isabella dans leur nouvelle demeure. Et j'ai très hâte de vous retrouver en tout cas pour la génération seigneur. Je vous remercie toujours pour vous de m'avoir suivi jusqu'ici. Les commentaires, les likes, les partages sont toujours les meilleurs. Bienvenue évidemment. Je vous embrasserai fort et je vous dis dans une semaine. Ciao ciao.